Bonjour, je m'appelle Éric Perrin et je suis en charge du vignoble familial le château Carbonnieux. D'abord, Carbonnieux, c'est une grande propriété viticole puisque nous cultivons pas loin d'une centaine d'hectares de vignes. Ici, là, pour les blancs, nous en avons 45 et avec des cépages qui sont du sauvignon blanc et du sémillon. Des vendanges qui ont commencé aux alentours de la fin août et qui se sont terminées à la mi-septembre. 2019 a été un millésime un peu particulier pour nous puisque notre famille est arrivée à Carbonnieux en 1956. Et je suis la troisième génération et mon fils Andrea occupe la quatrième génération. Et pour la première fois en 60 ans, on a un Perrin qui est venu faire des vins à Carbonnieux. Mon fils Andrea, après des études à l'Institut d'Énologie de Bordeaux, a travaillé un peu partout dans le monde, a commencé par des vinifications avec Olivier Leflève en Bourgogne, a continué en Napa Valley à Opus One, a poursuivi avec Sacha Lichine en Provence au château d'Esclan, a poursuivi en Amérique du Sud avec Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, et a continué avec les vignobles de Jaboulet. Et en 2019, il a fait ses premières vinifications, et très prometteuses, à Carbonnieux.